Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à l'apéro pour cette nouvelle journée en prison. Hop. Oups. Non, non, c'était fait exprès, chers amis. Je vous assure. Jérémy voulait que je tape Stroud, du coup. L'éventail. Somnifère. Note. On se fait des copains. Soupçonnons la présence d'un fuyard. Quelqu'un a volé la moumoute du directeur. Oh, le vilain. Noyer le chapeau du directeur dans les toilettes. Oh là, il est pas apprécié le directeur. Les détenus ont toujours raison, oui c'est vrai. Diversion pour le sport, éventail, éventail, peigne. Bon. Ah oui c'est vrai, c'est à Chai. J'avais pas fait gaffe, on a des transats en prison. C'est cool. Je pensais que c'était moi qui mangeais, mais non. Donc, voici nos stats. J'ai envie qu'on monte à peu près à 70 aujourd'hui, si possible, à force. 70-80 pour pouvoir être en mesure de taper des gens. Parce que faut reconnaître qu'en fait, souvent, ce qu'on vous demande de faire, c'est de taper des gens. Merci de votre amitié. Ruel, tu es bien sympathique avec moi, ça me touche beaucoup. Alors, période libre. Hop, et on va aller refaire du sport, chers amis. Du sport, le sport, c'est la vie. Si on peut monter nos points de vie jusqu'à 35, 30-35, ce serait bien. Entre 30 et 35, ce serait cool. Allez. Allez. Ah là là, c'est que c'est éprouvant en plus hein. C'est quoi cette odeur? C'est moi, excuse-moi, ça fait à peu près 1h30 que je fais du sport, je commence à sentir un peu. 31, ouais, on a dépassé. En plus, la fatigue, ça commence à se faire sentir. Après, ça va être le boulot, donc je pense que je vais prendre une douche. On enlève nos fringues. Je vous invite à pas trop regarder, donc je mets le curseur devant, hein, auto-censure. Hop. Oula, peut-être que je m'habille aussi. Oubliez que normalement on s'habille. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on sort de la douche normale, de la période de douche, on est habillé automatiquement. Bon, on y va. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'ai l'air d'aller manger, mais on en vient. J'aurais pas dû prendre de douche, alors bon, ça m'apprendra. Ceux-là sont un peu loin. Ah bah non, lui, il est pas loin. Hop. Bon, bon, bon. Bizarre. Oui bah non, j'ai pris une douche, c'est pas moi. Oh là, eh oh. T'as pas le temps de parler, bébé. Ouah, baston. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Lui, un peigne tranchant. Des pastilles pour la laine, des papiers toilettes de luxe. Intéressant. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Un câble et de l'encre. Intéressant. Je peux pas lui casser la figure encore, je suis trop faible, chers... Ah, zut. Bon, bah, j'ai perdu mon arme, j'ai perdu le peigne tranchant que j'avais venu de récupérer. C'est pas grave. Emploi de laverie, donc ça risque d'être très crack pour la laverie, par contre, aujourd'hui. Et je vais donc me faire virer.
Allez. Allez! 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 Hop! Voilà! Mes affaires. Et on va aller... niveau sport, on est où? 63. C'était ric-rac, on a pu voir que c'était très ric-rac, hein. Si je pouvais... Mince, il est parti. Dommage. On va s'exercer encore un peu. J'imagine que du coup j'ai perdu mon arme, oui, donc ça vaut pas le coup de me battre encore. Faisons toujours un peu plus de sport, chers amis. On doit être en forme pour pouvoir tabasser des gens. Et ne pas être tabassé, combien de se le faire, comme ça vient de nous arriver par le garde. Alors au moins je sais que les... Bon, il y en a 3 par contre dans les toilettes, donc c'est chelou. Période de sport, parfait. En espérant qu'il se passe quelque chose ici. J'y vais pas forcément très vite là, j'aurais peut-être... Tu t'entraînes pour te faire un garde, je ne veux pas savoir le pourquoi du comment alors. On va dire ça comme ça. Hop. On va aller prendre une petite douche. Oh oui, c'est bon. Oula. Oula, il se passe quoi? Un ours en peluche, une carte postale. Je vais te donner les pastilles pour la laine et le PQ. Toi, tu avais un paquet de cartes. Donc tout ça, chers amis, ce sont des objets de contrebande. Enfin... qui intéresseront des gens, tout simplement. Donc ça, c'est assez génial en soi. Donc on voit qu'on est à 36 points. Ce qui est plus que... que tout simplement agréable. C'est un bon début de partie. Va-t-il avoir une petite baston, là? Quel savon? Haha, j'aimerais bien savoir. Il va falloir que nous commencions à nous trouver des armes ou à en crafter, chers amis. Kit de pédicure. Non. Oui, pourquoi pas. Commence à avoir une bonne force physique normalement, voilà 70. On devrait pouvoir aller casser la gueule à Jérémy. Tiens, bizarrement, Jérémy est juste là. Jérémy a des trucs à vendre. Ah, un escabeau, ouais. Un tournevis, ça peut être intéressant. Une lime, une tenue de garde, des médicaments, un kit de soins. Ça, c'est extrêmement intéressant, chers amis. Hop, prions. Non, il n'a rien vu. Continue à me suivre. Hein. C'est un rapide. Donc, on va aller courir un petit peu, chers amis. Toujours pareil, hein. Toi? D'accord, c'est la même chose. Il faut qu'on devienne beaucoup plus rapide. Rien à vendre. Ah la vache.
J'ai pas encore l'habitude du clic comme ça sur les ennemis, chers amis, j'en suis désolé. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on devienne un peu plus rapide si on veut pouvoir être en mesure de taper des gens et nous barrer. Ah, attention. Désolé, Morpheus. J'ai besoin de donner ce câble. Et je vais prendre ton oreiller. Vous verrez pourquoi, chers amis. Hop, remettons-nous à courir. Je sais que tu ne vas pas m'apprécier, Morpheus. Mais je sais que je suis aussi meilleur que toi en combat. Alors, rendons-nous un peu plus balèzes. Prenons une petite douche. Donc voilà, normalement en vitesse on a un peu augmenté. Voilà, on est pratiquement à 30. On est toujours aussi débile. Et on va faire avec. Hop. Oh oh. Morpheus, bah alors. Ça tombe bien, hein. Oh, je vois que t'as trouvé des choses depuis qu'on s'est revu. La carte postale, je te la laisse. L'ours en plus, je te la laisse. Par contre, je vais prendre ton fil dentaire et ta truelle. Non, vous ne m'inquiétez pas, monsieur. Truelle, qu'est-ce que t'as à vendre? Oh. Sauf que, Truelle, t'es gentil avec moi, donc du coup, je te donne un petit peu d'encre. Je te donne un petit peu d'argent. Je sais pas ce que ça fait de donner de l'argent, chers amis. Par contre, du coup, je n'ai rien trouvé de ce que j'avais à chercher. Vous voyez? Il veut que je tabasse Jérémy. Ah oui, Jérémy! Mince, j'ai oublié Jérémy. Bon, il est trop tard. Cruel, t'as une lampe. Bon. Bonjour. Ah, Morpheus, même pas trop, j'ai l'impression. Alors lui, il a un magazine. Je vous dirai pas quel genre de magazine c'est. Hop. Quelqu'un m'a demandé des somnifères, c'est pour ça. Ça peut me faire copain. Ah bah, c'est Jérémy. Jérémy. Tiens, cadeau. Merci. Oh mince, le chanteur. Passons à un sujet plus urgent. Oula. Ah bah, extinction des feux, d'accord. Okay. C'est cool. Donc en espérant que personne ne m'ait pillé. Voilà, parfait. Alors. On a une lime. Intéressant. Fil dentaire, on peut le mettre. Non, ça on peut le mettre. Paquet de cartes, on peut le mettre. Et c'est parfait parce que je n'ai que 3 places dans les chiottes. Mais c'est risqué les chiottes. Hein. Hop. Eh ben nous allons aller dormir, chers amis. Hop. Et voilà, une bonne chose de faite. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous souhaitez tout simplement me donner vos conseils et vos astuces. Des liens vers des maps custom ou d'autres choses encore. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Bientôt 100 abonnés ou déjà 100 abonnés, je ne sais pas. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens!